Jamais un policier à la peau noire n'a porté l'uniforme de la police de Québec, une institution vieille de 177 ans. On est à quelque chose comme entre 15 et 20 policiers issus des communautés ethniques. Et la majorité sont des Autochtones. On en a 11 qui sont des Autochtones. Donc les autres, des Asiatiques et d'autres communautés, mais on n'a aucun membre de couleur. Pourtant, les efforts de recrutement sont nombreux pour diversifier les rangs du SPVQ. Les policiers participent à des matchs de basket amicaux depuis plusieurs années. Certains veulent même accompagner des jeunes tout au long de leur parcours scolaire. S'il y en a dès le secondaire qui seraient intéressés à venir nous rejoindre, j'ai des policiers du SPVQ qui sont des constables, des patrouilleurs présentement, qui se sont offerts pour les parrainer, les aider, les coacher, pour les amener jusqu'à la fin de technique policière pour qu'ils puissent ensuite intégrer nos rangs. La bonne volonté ne suffit pas. Et l'absence de résultats est là pour le prouver, selon la Ligue des droits et libertés. Le travail de la police, c'est pas d'aller faire du racolage là, au sein des communautés culturelles là, pour essayer de montrer qu'ils sont donc gentils. Là. La police a un travail à faire. Elle a à changer différentes pratiques et peut-être qu'après ça, la perception des communautés culturelles va changer. Pour convaincre les minorités culturelles d'enfiler son uniforme, la police doit changer sa culture, croit Maxime Fortin. Diversifier ses membres ne la dispensera pas d'un examen de conscience. Les cas de brutalité policière ont continué d'arriver, ont continué de se produire, ont continué de s'accumuler, même dans des endroits où il y avait des policiers noirs et même des chefs de police noirs. L'École de police du Québec, qui forme tous les agents de la province, assure que ce changement de culture est inculqué aux futurs policiers. Il y a une centaine d'heures en matière de profilage racial tout au long du programme de formation du futur policier québécois. À Québec, les minorités visibles représentent 6 % de la population, soit environ 30 000 personnes. Le SPVQ, qui compte 853 agents, en accueille moins de 20. Ici Sébastien Tanguay, Radio-Canada, Québec.